Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je crois que beaucoup de personnes me connaissent. J'ai l'habitude de voir dans Internet concernant ma résurrection. Je fais 4e pays, donc. Et les livres passés ici à lui en Côte d'Ivoire, je viens de Ghana. Et vraiment, je suis venu voir l'église qui est ici. Vraiment, je sais que Dieu est là. J'ai dit que Dieu vous soutient. Que Dieu vous soutient à ton Dieu. Puis avancer. Parce que vous êtes dans la vérité. Un église qui parle de dépouillement, je dis à la main. Un église qui ne parle pas de dépouillement, je crois que c'est le diable qui reste dans cette église. Et Dieu vous bénisse, c'est mon nom. Et Maria Tazamboulou, je viens de Burkina Faso, et Dieu vous bénisse. Amen. Clame le Seigneur. Emmanuel, Emmanuel du Burkina, c'est vrai qu'on va, écouter ton témoignage en inbox, mais tu peux nous donner rapidement quelques points. Qu'est-ce qui s'est passé et comment ton décès est arrivé et comment la résurrection a été terminée? Ok, je vais vous donner un peu par la grâce de notre Seigneur Jésus. Et moi, je suis né une famille musulmane et que je faisais activité d'or. Je faisais le travail de l'or, je fais du Burkina, je fais Mali, je fais Côte d'Ivoire, même je fais Ghana aussi, pour chercher l'or. Et j'ai pratiqué les religions musulmanes. C'est vrai que beaucoup m'ont parlé de Jésus-Christ, mais si je ne parle pas de Jésus, je sais que je dois prendre le temps pour partir. Ah, je ne sais pas ce qui vient m'apporter de ma vie. Il y a des systèmes d'Égypte, il y a des systèmes du. Les balles m'ont dit battre. Parce que mon papa est dit imam. Il m'a inscrit dans les religions musulmanes. Donc, j'avais la connaissance de ces religions. Et ce mardi, je suis parti. Et le mardi, je suis tombé malade. Et que mes parents m'ont ramené au Burkina Faso afin de me soigner. Et c'est là que la zone va se passer. J'étais à l'hôpital, j'ai fait plus de 2 semaines à l'hôpital là-bas. Et un jour, j'étais couché. Je voyais que c'est comme quelque chose qui était de mon corps. J'ai senti une douleur. Donc, je me suis mis à crier pour appeler les docteurs de venir à mon secours. Pendant que je criais, ma voix partait aussi. Donc, c'est là que je suis tombé. Et je voyais que mon âme était sortie et le corps était couché. C'est après quelques temps que les docteurs ont commencé à faire la vérification. Et je disais, les docteurs disaient qu'il est déjà parti. Et je disais que je suis là, parce que mon âme était là. Je dis, je suis là, mais voici. Elle dit, pourquoi tu vas me faire comme ça? Moi, je dis quoi à tes parents? Je dis, moi, je suis là-haut. Et mes parents, avec tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils veulent, je voyais. Donc après cela, il y a des gens qui sont venus. Les gens m'ont demandé que Dieu les envoie de venir me chercher. Je dis ah, je ne veux pas partir avec vous. Parce que je n'ai jamais vu des gens comme ça. Avec leur beauté, vraiment, je dis que ça, c'est la chirurgie que je fais. Donc je dis, je ne peux pas vous suivre. Et ça, les gens disent que Dieu nous envoie pour nous suivre. Je me suis mis à l'insérer, mais le chemin qu'on a prêté, vraiment le chemin, était tellement petit. Pour marcher, c'était difficile. Et le chemin était en enduit. Donc, quand je marchais, il y a des trous qui étaient à côté, l'autre côté aussi, il y a des trous. Donc, je marche toujours pour ne pas tomber dans les trous. Donc, les gens se sont mis à me donner des enseignements dans Hébreux chapitre 1. Verset 5, on peut lire. Hébreux 5, verset 1. À Hébreux 1, verset 5. Mm-hmm.
Merci. Et pourtant, il va se sentir. Car, auprès des anges, Dieu a-t-il dit, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et sera pour moi un fils. Voilà. Donc, les gens me parlent de l'importance de l'homme, comment l'homme est important aux yeux de Dieu. Et là, il m'a dit que vous avez été créés à l'image de Dieu. Là, mais nous, les gens, nous ne sommes pas l'image de Dieu. Nous sommes esprits. Là, mais vous, les hommes, vous avez l'âme, esprit, le corps. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui vous dit que vous êtes l'image de Dieu. Et on a continué notre marche et j'ai dit les gens que je ne peux plus marcher parce que le chemin était tellement étroit. Donc, je dis, trouvez un autre chemin par lequel on peut passer pour aller chez le Père, là où vous en parlez. C'est ça. Là, il m'a dit, il est écrit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie, ni ne vient au Père que par moi. Vous voyez? Donc, l'autre âme m'a répondu que depuis le temps de la baptiste, le royaume de Dieu est devenu libre. Donc, ce sont des gens qui s'en parlent. Excusez-moi, parce que les Français, c'est pas ça. Parce que je n'ai pas fréquenté avec. Alors, c'est mon retour au ciel que j'ai commencé à savoir l'Ibi, à savoir faire des choses. Donc, vous voyez. On a continué notre marche. Et pendant qu'on marchait, je l'ai trouvé dans une grande portail. Et le porte était à l'ordre du. Et ça, j'ai vu les gens, mais ça, c'est pour bien. Tout mon temps, j'ai passé à chercher l'homme. À parcourir des pays, des pays. Ici, je mets à l'homme, porte à l'homme. Ça, là, c'est terrible. Ah, ça, c'est pour bien, quand même. Donc, je voyais qu'en haut aussi, ils ont écrit bienvenue dans le royaume de Dieu. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte maintenant que je suis plus sur la terre. Et les gens ont demandé que je sois ouvert à Dieu. Là, j'avais parlé un peu, parce que je dis que je suis musulman. Vous savez que je suis musulman, vous m'avez venu chercher pour dire que je chante nouvelle cantique, je ne vais pas chanter. Donc, je sais que je vais chanter à la porte aujourd'hui. Et les gens sont venus à chanter. C'est ça, les portes sont ouvertes. On a rentré. À la rentrée, vous allez voir les gens aussi qui distribuent le mouchoir à l'or. Et je disais, tenez, et sur votre lame, vous qui avez été persécuté à cause de mon nom. Je répondu juste à cause du nom de moi-même, parce que c'est ce que je connaissais. C'est ça, les gens se sont regardés comme ça. Et puis ils ont dit, la personne que tu dis son nom, il n'existe pas ici. Nous, on ne le connaît pas ici. Il ne faut pas te prêcher. On va te faire visiter le ciel et après avoir visité le ciel, on va t'envoyer à l'enfer. Là, on va te révéler la personne que tu cherches. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Que tu sois chrétien, que tu sois serviteur de Dieu, les cinq questions que tu iras poser. Et chaque question, tu vas répondre. Ah, là, ça va suffire. En tout cas, ça suffit. La première question, combien de fois tu multiplies la parole de Dieu par jour? Les paroles, les questions de Dieu, les paroles. C'est ça, même. Oui? Quand vous êtes musulman, ils disent ce qu'ils disent. On prie jusqu'à prier, mais les chrétiens ne prient pas, ils disent. Il ne dit pas la parole de Dieu.
et dans les gros téléphones, on connecte sur Internet, sur WhatsApp. Il y a connecté avec le diable. Oui. Deuxième question. Comme il va tout prix par jour, est-ce que ça ne fait 5 dizaines? Est-ce que tu brilles? Voilà, c'est pour cela que les gens sont en train de vous attaquer ici. Ils s'assoient sur ton dos, ils s'assoient sur ta tête, parce que tu ne brilles pas. Je suis parti en mission au Canada, j'ai fait un an. Chaque nuit, je brille jusqu'à ma tête. Là même dans la tête. Donc, vous voyez, troisième question. Combien de fois tu évangélises par jour? Voilà. Le prêtre, Dieu va te demander où est ta famille? Ah, faut répondre. Tu as obéi à Jésus-Christ, tu as envoyé comme une personne. Voilà. Faut demander. Jésus-Christ demande. Tu as envoyé combien? Tu ne l'as envoyé. Tu ne vas pas aller là, gros, par lui. Si tu vois, tu ne vas pas aller là. Par lui, c'est hypocrite. Oui. Donc, la Bible dit, allez-y faire toutes les nations des disciples dans Matthieu 28, 19. Voilà. Donc, quatrième. Là, les chrétiens n'aiment pas ça. Et c'est les chrétiens qui critiquent les chrétiens de la matière, la volée, les choses. Et quatrième, combien de fois a-t-il donné sa vie individuellement et des jours pour l'avancement de mon Dieu? Tout. Les chrétiens ne peuvent pas venir à cause de ça. Si Dieu fait grâce, on va tourner les bâtis, les dîmes, les souffrances, ceux qui payent la bénédiction qui est attachée à ça, ceux qui payent pas, c'est qui va les amener. Si tu ne payes pas, tu ne vas pas aller au ciel. Parce que, je prends un exemple que vous comprenez simplement. Tu vas au travail, tu viens à la maison, tu trouves que quelqu'un est venu d'amasser tout ce qu'il y a dans ta maison. Et puis toi, tu arrives, tu commences à bénir ton voleur. Que Dieu te bénisse. Que tu prospères. Donc nous, voilà, tu viens s'asseoir dans la maison de Dieu pour demander la bénédiction. Ouais, c'est bizarre. Ça passe pas. Voilà. Cinquième, l'adoration est louange. C'est pas tout le monde. Il n'y a même pas de voix de Dieu. C'est quand tu vas adorer Dieu que les choses vont commencer à débloquer. Là, mais pendant l'adoration, je remarque qu'il y a des gens qui sont arrêtés comme poteau. Il y a des gens qui sont assis la vérité. Comme les chefs de quoi même des débats. On ne peut pas adorer Dieu pour s'asseoir. Parce que quand les gens s'en vont adorer leur petit, il y a des gens qui me se prophètent. Grand Dieu qui a créé le ciel, la terre, toi qui arrêtes pour la douleur. Donc, vous voyez, il y a un certain, aussi, quand la patronne l'a fait, nous a parlé de mèche. Les femmes qui voient mes femmes en fait. Ça dit pas moi qui l'a dit, c'est pas tout ça. C'est tout ma personne du corps. Tout ce que je dis, il y a des versets. C'est que tu, si il y a quelque chose que tu ne comprends pas, viens, je vais te donner des versets. Ça, c'est incroyable. Les documentations, les habillements, voir les pantalons, les gifs, les choses, façon, c'est pas bon. Voilà, on va parler aussi. L'enfant du péché, quand je vais rencontrer les serviteurs de Dieu, je vois qu'il va cliquer là. L'enfant du péché, les enfants qui ont fait hors du mariage. Qu'est-ce que les enfants ont fait là-bas? Et les parents, les conséquences. Vous allez voir Isaac, Abraham a fait. Ismaël, vous allez voir les conséquences dans toute l'humanité, tout à cause de ça. Oui. Donc, ce que vous faites là aussi, il y a quelque chose qui a suivi à ces choses. Et vraiment, c'est que Dieu vous bénisse. Amen. Que ta grâce et le bénisse pour l'homme. Amen. 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 Je suis au bon endroit. Je ne sors plus d'ici.